Salut, salut les gens, c'est Cider. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. Alors, ça doit vous faire bizarre parce que vous dites, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ça fait 3 ans qu'il sort des vidéos et là, il arrive, il se montre devant nous, comme si de rien n'était, comme s'il avait toujours fait ça. Et non, pourtant, c'est vrai que j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je me montre devant une caméra et j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de mal à me lancer. Mais je me suis dit, on est dans une nouvelle année, c'est 2022, donc bas les masques, me voici. Vous pouvez voir à quoi je ressemble. C'est pas la dernière fois d'ailleurs que vous verrez ma tête. Donc du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle année 2022 et que vous ayez beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit vos projets de la vie personnelle, professionnelle même, vos projets dans Pokémon, parce que la passion c'est quand même important. Je suis le premier à le dire. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Anthony, j'ai 21 ans et je collectionne les cartes Pokémon du coup depuis quelques années. J'ai commencé YouTube il y a à peu près 3 ans. En septembre 2018, si je dis pas de bêtises, avec une ouverture de 5 boosters Diamant et Perle, là où j'ai voulu lancer ma chaîne. Alors, si je vous parlais vite fait de l'histoire de ma chaîne YouTube, ça a commencé comme ça, sur un coup de tête. J'avais des boosters Diamant et Perle chez moi de base et je me disais pourquoi pas se faire un kiff de les ouvrir. Mais je voulais que l'ouverture garde une trace. Je voulais pas les ouvrir et me dire bon, ça restera un souvenir. Je voulais qu'il y ait vraiment un souvenir vidéo. Donc je me suis dit, je vais prendre mon téléphone, filmer et j'envoie ça sur YouTube et puis on verra ce qui se passe. Voilà, comme ça je pourrais immortaliser mes vidéos. Et ensuite, ça m'a plu. J'ai voulu continuer à le faire, ouvrir tout un tas d'autres boosters et je me suis laissé prendre au jeu. Et finalement, me voilà aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est presque 500 abonnés sur la chaîne, ce qui est plutôt sympa. Et je compte bien continuer parce que bah, ça me plaît, je sais pas vous, mais perso ça me plaît, voilà. Donc, si je viens vous voir aujourd'hui face à face, c'est pour vous parler de quelques petits projets qu'il y aura pour 2022, surtout un en grande partie. J'ai réfléchi pas mal de temps à comment améliorer la chaîne, améliorer ce que je faisais, proposer du nouveau contenu, parce que je propose quand même majoritairement des ouvertures. Et du coup, pour 2022, j'ai décidé qu'il y aurait plus de présentations de collections, plus de réceptions. Et aussi un tout nouveau format qui sera une espèce d'émission en fait tous les 2 mois où on se retrouvera pour parler de tout ce que j'ai découvert pendant ce mois-ci sur Pokémon, toutes mes réceptions, tous mes achats, toutes mes ventes, un espèce de truc global quoi, pour que vous ayez à peu près une idée, pour que vous suiviez avec moi l'évolution, mon parcours dans la collection. Voilà. Je pensais que ça serait plutôt cool. Je sais pas quel titre je donnerais à l'émission encore ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà. Donc tous les 2 mois, ça veut dire 6 fois dans l'année, vous verrez ma tronche comme ça en facecam. Et peut-être même dans d'autres vidéos, qui sait. Jusqu'à présent, si j'ai pas mis de facecam, c'est pour 2 raisons. Déjà de une, j'ai qu'un seul téléphone, donc quand je filme l'ouverture de booster, on voit que les boosters, on peut pas voir ma tête avec autre chose parce que j'ai pas une autre caméra. Et de deux, de toute façon, je suis un petit peu timide. Donc c'est normal. Même là, je sais que cette vidéo sera loin d'être parfaite parce que c'est la première fois que je me mets devant une caméra, donc j'imagine bien qu'il y aura pas mal de choses à refaire, pas mal de choses à revoir. Mais c'est la première fois, on n'y peut rien, les mecs, vous allez voir, au fil du temps, ça va s'améliorer. Regardez les miniatures au début de ma chaîne YouTube. Depuis quelques temps, je commence à prendre en main des logiciels comme Photoshop. Mes miniatures, elles sont pas parfaites, mais elles s'améliorent quand même. Si vous regardez au fil du temps, vous verrez quand même qu'au début, mes miniatures, c'était vraiment, vraiment pas ça. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai. On se retrouvera tous les 2 mois du coup pour faire ce genre de choses. Il y aura aussi de la réponse à des questions du coup, comme je viens de le dire. Et du coup, je vous laisse avec la vidéo qui arrive où je fais une énorme réception. J'espère que vous allez kiffer en tout cas. J'en ai profité du coup pour vous sortir cette petite introduction. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout les mecs, ça me fait plaisir. Et on se retrouvera bientôt pour reparler de tout ça. C'est Decider, je vous fais des bisous, à plus! Et yo les petits potes, c'est Decider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et je suis tout excité aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour la première vidéo de 2022 et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une énorme réception? Car là, on est sur une énorme réception à plusieurs milliers d'euros. Déjà, cet achat a coûté 2400 euros et il y en a pour clairement plus à l'intérieur. Vous allez très vite comprendre pourquoi si vous n'avez pas vu le titre. On va recevoir 76, presque 80 du coup boosters du bloc Heart Gold et Soul Silver. Il y a tout ça dans ce carton. Ce carton est clairement assez lourd, je vais pas vous mentir. C'est plus de 2 displays réunis, genre rendez-vous compte, plus de 2 displays réunis. C'est incroyable. Regardez la taille du carton, je vais dézoomer un petit peu pour vous essayer de voir. Voilà, là il y a les limites de mon poster. Et on voit à peine le carton en entier.
Regardez ma main par rapport au carton. Donc voilà. Voilà le truc, c'est quand même un sacré morceau. Donc les amis, avant d'ouvrir le carton, je tiens d'ailleurs, enfin d'abord, à remercier tous les membres du Discord, de la formation du Discord VIP, pour ceux qui ont du coup acheté l'ebook Les secrets du business Pokémon, coécrit par Mascash et Prasco, grâce à qui cette vidéo a pu exister du coup, parce qu'on a fait ce qui s'appelle un grouping. Alors pour vous expliquer ce qu'est un grouping, c'est en gros pour un item assez cher ou un gros coup mais assez cher qu'une personne ne pourrait pas prendre toute seule, on se met à plusieurs pour le prendre, chacun donne un peu d'argent et du coup à la fin le bien sera séparé évidemment. Donc là il y en avait pour 2 400 € qui ont été divisés entre une dizaine de personnes dont je fais partie, même si moi c'est que pour un seul booster comparé à certains qui ont pris une dizaine au moins. Et le but du coup c'est qu'on envoie tous les sous à la même personne qui va payer le vendeur ou la vendeuse. Enfin, on reçoit le colis, la personne qui a payé reçoit le colis et elle redistribue ensuite à chacun des membres. Donc cette personne, vous l'avez compris, c'est moi. J'ai été désigné pour recevoir tout l'argent, payer la personne, recevoir le colis chez moi et du coup renvoyer les boosters à tout le monde, pardon. Je m'en mêle un petit peu et c'est ce qui fait du coup que j'ai cet énorme colis chez moi. Je vais pas tout garder, vous l'avez bien compris, mais en tout cas je suis super content de vous faire cette réception parce que c'est trop de la balle, clairement c'est trop de la balle. Il n'y a rien de plus pour me rendre heureux. Donc les mecs, c'est parti, on va ouvrir ça, voilà. Je le pose ici pour que vous le voyez bien, petit coup de cutter, tu connais. C'est un colis Chronopost, mais évidemment pour des raisons d'anonymat, bah j'ai arraché l'étiquette en fait, voilà. J'ai pas envie que vous veniez chez moi les mecs, je vous aime bien, mais je vous aime bien. Mais quand même soyez sympa. On sait jamais. Alors. Hop, il est bien emballé, en même temps c'est normal, genre. La personne a dû être vachement contente hein, d'ailleurs, de faire une vente à 2400 balles sur des boosters. Et c'était pas cher parce que ça revient à environ 30 € le booster, ce qui n'est pas cher pour du HS déchaînement. Parce que c'est du déchaînement, oui, je vous ai dit des boosters du bloc HS, mais c'est déchaînement. Ah, eh ben dis donc, c'était un peu compliqué. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, je vais essayer de vous le cadrer. Oh, on a un petit mot, une étiquette Chronopost à l'intérieur, aïe aïe aïe. Alors, bonjour, un grand merci pour cet achat. En vous souhaitant une bonne réception, j'ai mis un art set de plus, donc 20, je l'ai mis pour Younes. Oh, sympathique. Enfin donc 20, donc 80 je crois qu'elle a voulu écrire parce que à la base il y avait 76 boosters, donc plus 4 ça fait 80. Après vous faites comme vous voulez, cordialement signé Nat, c'est la personne qui nous l'a vendu sur eBay. Alors c'est très gentil un art set de plus, on va sûrement voir comment ça va se passer. Oh là là. Alors, j'ai l'impression que c'est des mini-displays, là j'ai une mini-display dans ma main. Oh là là, alors c'est de la drogue clairement là. On réceptionne des petits colis. Ok, on dégage le carton. Un art set de plus, c'est insane. C'est trop cool, clairement. On va voir comment on va se le distribuer. Alors. Trop beau. On va prendre la paire de ciseaux quand même. J'ai une petite paire de ciseaux pour les bouts de scotch. Pour les bouts de scotch malveillants. Je vais déballer un truc après les autres. Je vais les déballer en off, vite fait. Parce que là, ça m'a l'air d'être bien bordélique le truc. Attendez, je passe en off vite fait. C'est vraiment juste pour couper 2-3 bouts parce que j'ai du mal à le faire tout en restant focus. Voilà, regardez, c'est bon, on est là. Oh my god. Ah oui, d'accord, c'est toutes les illustrations au même endroit. Donc on a le paquet Sukun du coup. Oh, oh bordel de merde. Par contre, le focus, tu serais gentil de te faire. Voilà. Comment dire. Genre, regardez ça là. Regarde, t'es prêt? Hop, c'est parti. C'est des boosters de 2010 les amis. C'est vraiment des boosters de 2010. J'en prends un, je regarde derrière. Voilà, pour vous voyez l'arrière du booster. Vous pouvez même lire si jamais. Ce sont des boosters de 2010. C'est marqué juste là, si le focus tu veux bien te faire. Voilà, 2010. Donc là, c'est incroyable clairement. Alors je vous ouvre du coup les 3 autres paquets et on se retrouve juste après. Et re les amis, nous voici avec tous les boosters étalés. C'est incroyable, j'ai ouvert les boosters, enfin j'ai ouvert les colis comme ça et posé les boosters comme ça, mais les mecs, genre même moi je ne me rends pas compte d'à quel point c'est ouf, genre c'est des boosters de 2010 qui valent presque une 60aine d'euros le booster,
Donc on les a eu à peu près à moitié prix. Et c'est dingue, j'en ai 80. Regardez-moi ça, c'est juste ouf. Genre vraiment, c'est un truc de ouf les mecs. C'est vraiment un truc de ouf, je suis trop content. Donc voilà, moi personnellement j'avais pris un booster Raikou. Donc j'irai en prendre un parmi ce tas. Et tous les autres boosters sont pour le reste des membres, dont la retraite gratuite que je verrai comment on se partage. Parce qu'il n'y a que 4 boosters pour une dizaine de personnes. Je vais trouver. Mais bref, en tout cas, voilà pour cette énorme réception. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, c'est le booster qui me manquait, le booster Raikou. J'aurai les 4 déchaînements et je pourrai vous proposer dans quelques temps l'ouverture de l'Art 7 HS déchaînement sur la chaîne YouTube. Avec, je l'espère, du lourd parce que dans le bloc HS, j'ai souvent eu de la chance. Mais voilà, du coup, cette réception de malade. Je remets les boosters en gros tas comme ça. Regardez-moi ça. Oh là là là, genre c'est beau, tu peux mettre la main dans les boosters comme ça. Il y a du paquet de... Il y a du paquet de bonnes cartes là-dedans, genre vraiment. Oh là là, j'arrive même plus à parler, je suis ému. Oh, genre regardez-moi cette pile. Je vais essayer de faire une tour. Je vais faire une tour avec les boosters. J'ai mis la moitié, regarde, Théma déjà la tour. Théma la tour. C'est une tour de... 2 tours de 40 boosters du coup, voilà. Je m'amuse, on aime bien. Hop, je vais mettre les deux à côté, ça va se casser la figure, mais tout va bien. Hop, on a 2 tours de 40 boosters HS, c'est incroyable, ça brille dans tous les sens. Oh là là, je vais arrêter la vidéo avant de m'amuser trop, le focus veut même plus se faire. Eh, mon petit pote, merci. Non, toujours pas. Hop, merci. Bah non, ça marche pas. Bref, les mecs, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, désolé. Je pars un petit peu trop loin là. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie encore tous les membres du Discord. C'était super cool, les mecs. Cette expérience à refaire, clairement. Même si ça a été semé d'embûches quand même. Il y a eu 2-3 galères, mais on y est finalement arrivé. J'enverrai les boosters à tout le monde et ça va faire super plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous ai prévu plein de trucs. J'espère que vous avez bien regardé l'introduction, d'ailleurs, parce que c'est important, l'introduction. Je vous fais des gros bisous, c'était Sider. À plus.